Sur les rives de l'Atlantique, la station balnéaire des Sables d'Olonne. C'est dans ce camping-club qu'une famille de ch'tis a posé ses valises pour l'été. Après 9 heures de route, ils viennent d'arriver. Vider la remorque, c'est le rôle du chef de famille, Hervé, 37 ans, ouvrier du bâtiment. Il y a quand même quasiment 4 heures de chargement. Donc j'espère que ça va être plus rapide pour le déchargement. Sur le dessus, les vélos. Et puis en dessous, c'est les sacs. Les sacs, les jouets, le truc banal de la vie, multiplié par 7. C'est vrai que ça fait du boulot, quoi. Avec 4 femmes à la maison, hein, ça en fait des fringues. Hein. C'est clair. Ces 4 femmes, ce sont Margot, 13 ans. Anaïs, 9 ans. Charlotte, 10 ans. Et sa compagne Corinne, 44 ans, professeure de technologie en lycée professionnel. Dans le chalet qu'ils ont loué pour les vacances, il y a aussi les 2 garçons. Tommy, 11 ans. Et l'aîné, Hugues, 14 ans. 7 au total, dans 45 mètres carrés. Ça a l'air pas mal. Je dirais, il y a suffisamment de place pour tout le monde. Tout le monde aura son coin. Hein, puisque bah, nous, on sera à l'étage à la mezzanine. Les 2 petites ici. Les 3 plus grands là, dans un lit séparé. Donc, c'est très bien. Il manque un peu de rangement quand même, je crois. Tout va bien là-bas, ma chérie? Moi qui aime bien les choses bien rangées. Mais bon, avec 5 enfants. 5 enfants à gérer. Un véritable défi pour cette famille recomposée. Bien installée, aujourd'hui repos et demain on s'amuse. C'est la première fois qu'ils vont vivre tous ensemble. D'un côté, Corinne, avec son fils et ses 2 filles. De l'autre, Hervé, un fils et une fille. Pour l'instant, ils vivent chacun chez soi. Pour eux, ces vacances, c'est le grand test. Si les enfants s'entendent bien pendant l'été, ils emménageront sous le même toit à la rentrée. En ce début de vacances, la plus tendue, c'est Corinne. C'est vrai qu'il y a une certaine appréhension, puisque là, ça va vraiment être 15 jours ensemble, les uns sur les autres, les uns avec les autres. Donc c'est vrai que ça sera peut-être pas forcément toujours évident. Alors ma chérie, tu paniques? Je suis comme ça, je stresse. Mais je vois pas pourquoi stresser en vacances. Le seul stress, c'est ça. C'était la route, maintenant c'est fait. Donc après, ce qu'on aimerait faire, c'est s'amuser. Ce que redoute Corinne, c'est l'attitude de son fils Hugues, 14 ans. L'ado est perturbé depuis le divorce de ses parents. Oh, mais il n'y a pas de lave-vaisselle. Pas de suite, c'est où ça? C'est vrai. Charte, oui, c'est vrai. On s'est bien parti. On va s'amuser. Ce soir à 21h30, un cocktail de bienvenue sera servi aux nouveaux arrivants. Au programme de leurs vacances, piscine, ping-pong, soirée paella, pêche et pétanque. Presque tout de suite. Hervé et Corinne comptent sur ces multiples activités et sur l'ambiance camping pour souder la famille. Alors, sitôt l'installation terminée, tout le monde se met sur son 31 pour le pot de l'amitié. Bon, et les adultes, je vous préviens, vous ne collez pas à la soirée. Hein, ouais. Ça, c'est un vrai. Hein. Leurs 2 semaines à la mer, ça commence au bar du camping avec la danse du club. Ah ouais, il y a du monde. Hein. Les plus jeunes sont ravis. Hugues, lui, observe à distance. Et pourtant, dans 15 jours, il connaîtra la chorégraphie par cœur pour le plus grand bonheur de Corinne et Hervé. Bienvenue et bon séjour. Changement de décor, à 400 km de là. Nous sommes à Blanza, près de Clermont-Ferrand. Dans leur grande maison de vacances, derniers instants de calme pour Claude Agut, 60 ans, commissaire-priseur à Neuilly, et son épouse Bernadette. Chaque été, c'est la tradition, ses grands-parents réunissent en Auvergne toute la famille. 6 enfants, leur conjoint, et 16 petits-enfants attendus avec impatience. Ça fait 11 mois que j'attends. 11 mois que j'attends de me retrouver ici à la campagne. Ça va être extra, extra, extra. Même il fait mauvais, il pleut et tout, aucun souci. C'est pas grave. Le seul souci pour Bernadette, c'est de caser tout le monde. Ils sont lui ici. Une 30aine de personnes au total, pour elle, un vrai casse-tête.
Là, je vais mettre Maxence et Baptiste, qui ont 4 ans et 3 ans. Là, je vais probablement mettre les 3 de Laurence. Laurence, c'est notre fille juste après Charlotte, numéro 3. Et justement, Laurence est la première arrivée avec toute sa tribu. Bonjour, papa. 4 garçons et 2 filles. Le 7e est en route. Bonjour, les enfants. Bonjour, Alexandre. Allez, on décharge. Et voici le papa, Hugues, un avocat bordelais. Attention à la porte, écartez-vous. Accueil triomphal pour le fils aîné de la famille, Antoine, 33 ans. Commissaire-priseur, comme son père. 4 enfants de 3 à 8 ans avec son épouse Stéphanie. Plus le chat, une attraction pour tous les cousins. Ça fait plusieurs années qu'ils ont des cousins très, très proches en âge, donc ils sont contents de... Et puis en plus, c'est presque leurs cousins sont presque leurs meilleurs amis. C'est vrai, ils sont très proches. Donc c'est bien. Là, on est à... 10 ? Non ? Ouais, je sais pas, là. Ouais, deux, hein. Un, deux. Submergé par les enfants, il en perd son latin. Je sais pas, Bernadette aussi, à l'étage. Alors là, je vais mettre Alexis, qui est l'aîné de notre fils Antoine. Oui, ben c'est tout pour les garçons. Ah ben, non, Alexis et Nicolas. Je vais mettre Alexis et Nicolas ici, avec Camille et Gaspard. Et ce n'est pas encore terminé. Les enfants, c'est les cousins qui arrivent. Des enfants, venez. En voilà d'autres. Venez. Ceux des 3 autres filles de la famille. Charlotte, Alexandra et Philippine. Il y a aussi leur jeune frère, Maximilien, avec le ballon. Seulement 18 ans et pas encore d'enfant. C'est déjà bien assez pour Bernadette. La grand-mère n'a plus un centimètre carré de disponible. J'ai encore un bébé à caser, c'est le bébé de Philippine. Alors d'habitude, je le mets avec ses frères. Juliette, là, qui a un an et demi. Je la mets. Mais bon, bah, là, je crois que je la mets dans la chambre de ses parents. Hein. Ou s'ils n'en veulent pas, bah, ils la mettront dans le couloir. Et puis... Une maison bien remplie, ce sont des bêtises, des disputes et des cris. Un remue-ménage permanent que Bernadette va devoir gérer avec son mari, un brin maniaque avec la porte des toilettes. Elle est toujours ouverte, alors ça ne me supporte pas, donc il faut que je la ferme. Et il n'a pas fini, car pendant les vacances d'été, tout le monde compte sur les grands-parents pour souffler. Ce qu'on sait, c'est que quand ils sont là, on n'a plus besoin de s'en occuper. Ça, c'est l'avantage. Alors que quand on les a tout seuls à la maison, c'est du boulot. Accueillir 6 enfants et leurs conjoints, veiller 24 heures sur 24 sur 16 petits-enfants de moins de 10 ans, c'est le pari difficile que Claude et Bernadette vont tenter de relever cet été. À plus de 60 ans, vont-ils tenir le choc ? Ça commence dès le dîner. Premier service pour les enfants. Un jour de retrouvailles, c'est forcément bruyant. Ça, c'est une tablée, hein. C'est toujours comme ça. C'est jamais... C'est ma radio, quoi, voilà. Surtout le soir, ils sont énervés, fatigués. À la fin du dîner, en général, nous sommes épuisés. Quand les parents sont débordés, c'est le grand-père qui prend la relève. Allez, dîner, hop, 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 allez. Hop, hop, hop. Allez, allez. Ici, tout le monde respecte celui qu'on appelle « bon papa ». Et il a sa recette pour rétablir l'ordre. J'ai 3 minutes pour terminer, attention. On y va, chronomètre. Ceux qui n'auront pas fini en 3 minutes n'auront pas de dessert. Il y a des glaces. Et on ne touche pas. Non, non, non. Alexis, 48 secondes. On est à 51 secondes. 52. Attention. Les enfants. Non, mais arrête de parler, bouge pas, tu iras plus vite. Ça tourne, attention. Hein. C'est bon, terminé. 3 minutes, c'est bon. C'est fini. Ce jeu, il le fait à chaque fois, avec toujours le même succès. Qu'est-ce qu'on dit, Baptiste ? Portez-vous, papa. Ah, si, si, c'est bon, avec, c'est bon. La famille nombreuse, Claude et Bernadette, ont ça dans le sang. Ils en sont eux-mêmes issus. Une valeur qu'ils ont transmise à toute la famille, tout comme la foi en Dieu.
venez faire la prière, la vie. Oui. Oui. Oh, il est trop bien, si. Tous sont catholiques pratiquants, alors même en vacances, le rituel perdure. C'est Hugues, un des gendres, qui dirige la prière du soir. Chacun fait un « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. On a ici, je crois, tous reçu une éducation catholique. On a fait ça tout petit. Et on lègue, on donne ça à nos enfants. On transmet ce qu'on a reçu. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Pour eux, ce sont donc des vacances dans la tradition qui s'annoncent. Amen, amen, alléluia. À Pessac, en banlieue bordelaise. C'est aussi un jour béni pour Patrice Dalouche. C'est une journée exceptionnelle, je dirais, pour moi, parce que je suis en vacances, enfin. Mais pour lui, ce sont trois semaines de congés un peu particulières qui s'annoncent. Patrice, 45 ans, est fonctionnaire à la mairie de Pessac. Il gagne 2700 euros par mois. Un salaire avec lequel il doit élever 13 enfants. Alors pas moyen de partir. Pour lui, les vacances, ce sera à la maison, dans son pavillon en location, où il loge sa très nombreuse famille. Qui c'est ? Aujourd'hui, ses 5 plus jeunes garçons lui ont réservé une surprise. Ils sont en vacances depuis un mois et attendaient ce jour avec impatience. Salut ! On va faire son poil à la plage ! Salut mec, ouais. Ça va ? Salut Minouche, toi aussi tu vas à la plage ? Les enfants sont enthousiastes. À la plage ! Leur mère Karine, 46 ans, beaucoup moins. Ils sont prêts pour aller à la plage, mais j'aurais dit que c'était pas aujourd'hui. Mais bon, on veut tout faire la surprise, parce que depuis un mois qu'ils attendent, c'est vraiment dur, dur. Parce que cette année on part pas en vacances. Hein, je vous l'ai dit, quand on n'est pas financièrement, on peut pas. Ils ne peuvent pas, car toutes leurs économies ont été englouties par l'emménagement dans ce pavillon et quelques travaux. Malgré le salaire du papa et 2700 euros d'allocation familiale, les fins de mois sont difficiles. Le pari de Patrice et Karine, c'est d'offrir de vraies vacances à leurs 13 enfants avec seulement 500 euros. Mission presque impossible, même si les deux aînés ne vivent plus à la maison. Ils ont donc décidé de sensibiliser les enfants à leur cruel manque d'argent. Pour cela, ils ont inventé un jeu. Allez, vous venez, on fait un tour de table, allez. Venez. Comme on avait dit, on ne part pas en vacances cette année. Alors on a décidé de faire des sorties. Alors vous allez nous aider, on va programmer ce que vous voulez faire pendant les vacances. Tout le monde a son crayon. Pas question de faire des folies. Ce seront 2 sorties maximum. Paul ? Je pense qu'on va passer de bonnes vacances quand même. C'est pas impossible. Pas impossible, mais compliqué de contenter tout le monde. Toi, Julie, tu veux aller sur la mer ? D'accord. À chaque enfant son envie. Difficile de faire l'unanimité. La preuve, 10 minutes plus tard. Alors, voyons, vos propositions. Vous avez marqué le Pila. C'est Montelabine, tu veux faire, toi ? C'est où, alors, c'est le Pila. Après, là, il y a beaucoup. Alors, la plage, l'aquarium. Bon, on peut faire peut-être 2 sorties, là, ce que vous avez proposé. Enfin, les sorties payantes, je parle, des parcs. J'ai jamais vu trop tôt, moi. Mais bon, on peut pas faire trop. Hein. Victor n'a qu'une idée en tête, visiter l'aquarium de La Rochelle. Alors vas-y, on vote. Qui c'est qui veut aller à l'aquarium ? Le garçon de 10 ans est lâché par ses frères et sœurs. Ils ont préféré la dune du Pila et un parc d'attractions. Victor est déçu. Le budget de 500 euros est déjà atteint. Et c'est le vote ? Mariette et même Monsieur Bowman pourra à peine rallonger. Tu crois ? Ouais. Bon, enfin, on verra. Si c'est pas beaucoup, ça va. Mais bon, si ça dépasse trop. Victor, allez, ouvre. C'est pas de ta chambre. Vexé, Victor est parti bouder. Vic, sors de ta cachette. C'est pas grave. Et c'est la majorité, ils ont voté. On fait pas pour une voix te prendre à toi et y aller à toi. Ok, bon, ben on te laisse tranquille, écoute. C'est pas grave. Allez, ben à tout à l'heure, à tout de suite, mon grand.
Allez, venez les garçons, laissez-le tranquille. Finalement, ce qui devait être un jeu finit mal. Ça commence juste là, depuis le début des vacances, il s'est mis à bouder. Il s'est fait son chef des garçons. Oui. Il ne supporte pas qu'on le contrarie. D'accord. Mais je pense que ça va passer. Quoi. Parce que j'avais envie d'aller à l'aquarium, voir des requins. Et en plus, il y a des gens qui peuvent se faire manger. Victor qui boude. Et la petite dernière qui casse la vaisselle. 13 enfants, ce sont 13 occasions de faire une bêtise. Non, c'est moi, c'est trop tard, mon mal a été le chercher. T'as pas de peine ici ? Et au moment de passer à table, ce sont les deux plus petits, Arnaud 4 ans et Chloé 21 mois, qu'est-ce qu'il y a ? Qui prennent la relève. Je tire le banc, mais t'es pas assis, t'es pas bien, tu vas dans ta chaise haute, tu vas plus là. T'es pas l'idiot Arnaud, hein ? Comment ? Ouais, mais non, on fait du cul. Non, maintenant tu manges. Non, c'est maman, tu en mets trop à chaque fois. Non, tu arrêtes. Voilà. Tu as qu'à te tenir comme il faut. Arnaud, tu mets pas ton menton dans la mayonnaise. Attendez, il y en a deux autres qui arrivent. Arnaud, je sais pas ce que tu as en ce moment. Alors tu sors de table, hop, voilà. Là c'est un peu la débandade, mais bon, c'est les vacances. Voilà, on part pas, et quand on va en camping ou quand on va là, c'est un peu comme ça, chacun se lève, il fait un peu, alors bon, je laisse faire quoi. Mais ça me fait du mal, pardon. Toute l'année, deux fois par jour, c'est le même chassé-croisé. Une fois les petits sortis de table, deuxième service pour les grands. Marie, 21 ans. Émilie, 16 ans. Julie, 20 ans. Sophie, 12 ans. Bon appétit. Et Pierre, 18 ans. Pour la mère de famille nombreuse, deux mois d'été avec tout le monde à la maison, ce n'est pas franchement du repos. Mais cette année, elle est prête à tous les sacrifices pour que ses 13 enfants n'aient pas des vacances au rabais. Je veux que ce soit réussi. Je veux qu'ils me disent à la fin, « Ah, maman, en fait compte, on n'est pas parti en vacances, mais en fait compte, quoi, on s'est bien amusé quand même, on n'a pas regretté. » Voilà. Retour au camping des Sables d'Olonne. Ce matin, Hervé, le chef de tribu recomposé, s'improvise mécanicien pour familles nombreuses. Démonter, remonter autant de vélos, bah, ça m'était jamais arrivé. Bon, bah, je crois que les bikes sont prêts, là. On a le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. On croirait que j'ai mon agence de location, là. 7 vélos pour une expédition dans la forêt vendéenne. Concerto pour sonnette. Ce matin, Hervé emmène ses deux enfants et les trois enfants de sa compagne Corinne sur un site d'acrobranche. Le chef de clan se révèle un vrai Tarzan. Pour sa Jeanne, c'est un peu plus difficile. C'est pas évident, ça. Tranquillement, hein. Allez, vas-y, tu te tires avec tes bras sur celui-là, là. Vas-y, prends-le. Et tu sors. Après, tu t'assois. Attention ta tête. Assis-toi bien dessus, hein. Un peu de panique, hein, là, ma chérie. C'est super mec, là. C'est bien, Nénette. Pour eux, c'est un test grandeur nature. Sur ce parcours difficile, chacun va aider les enfants de l'autre. J'arrive tranquille, regarde. Lui s'occupe d'Anaïs, la plus jeune fille de Corinne. Voilà, super. Alors, c'est déjà parti. Elles sont là-bas, regarde. Je vais t'aider là, hein. Tiens, Nénette. Fais comme je t'ai appris, clique. Fais-le cliquer. Voilà, tu pousses, pouf. C'est bien, Tommy. Un peu plus loin, premier pas de Tommy avec sa belle-mère, qu'il a tendance à vouvoyer. Corinne, vous pouvez me rattraper. Vas-y, je suis là. T'inquiète, je vais te réceptionner. Ça lui arrive parfois. De quoi ? Ça lui arrive. De vous voyez. Ça lui arrive. De quoi ? Bon, ça fait tout bizarre, hein. Je le reprends, je lui dis attends, je suis toute seule. Hein. Je ne vais pas vous voyer. Objectif de la journée, faire naître un esprit de famille. Et Hervé sent que ça commence à venir. Hey Nanas, tu as compris le truc là ? Ah, il est un peu dur hein, celui-là. Ouais, bah j'ai appris à les aimer. Hein. Et puis même, c'est même pas apprendre, c'est. Ça coule de source. Hein. On peut pas faire d'équipe là en famille. Hein. Allez, on tire sur les poignets. Bien, Nénette. Charlotte, tu accueilles Anaïs ? Eh bien, les Comment filles. Au fil des acrobaties, les enfants en arrivent même à se passer des parents. Il faut bien tenir comme ça, d'accord ? Si vous tenez pas comme ça, votre machin va faire ça. Ok, vous le tenez bien dessus. Anaïs, t'es où là ? Tu m'écoutes pas.
Tu le tiens bien comme ça, d'accord? Hervé vous réceptionne, il n'y a pas de souci. Les enfants s'entendent bien, nous également. C'est le top. Aucune dispute, aucun conflit, rien. Très bien. On a la chance quand même avec Corinne d'avoir des enfants qui sont sympas, quoi, qui sont très bien. On n'a pas vraiment de grosses tensions, de gros trucs à gérer. Il y a de l'entraide, de la politesse, c'est le minimum, c'est très bien. Bien, Tommy! Oui, ça rapproche bien, hein. C'est clair. Bien. Aujourd'hui, Hervé confirme à Corinne qu'il est aussi attentionné avec ses enfants qu'avec elle. La mère de famille est rassurée. Je pensais vivre seule avec mes trois enfants, et puis en fait, quand j'ai vu comment ils se comportaient avec les enfants, ça m'a vachement plu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi. Ils s'occupent autant des uns que des autres. Non, c'est super. Mon mec à moi. À mon amour. Quoi? C'est mon amour à moi. Oui. Et voilà. Mon amour. À tout à l'heure. Oui. Alors, je réfléchis toujours. C'est il est où, ça? Le jeune? Le jeune, c'est Hugues, l'adolescent de Corinne. Il garde encore ses distances, peu sensibles aux tentatives de rapprochement d'Hervé. Eh, ça va, l'araignée Hugulus? Tu as cassé une corde? Non. C'est la galère, hein, les araignées. Hein. Tu veux que je vienne te chercher? T'arriveras pas à faire jusqu'ici. Moi, je suis pour les familles. Hein. Ah, c'est le grand pied, c'est clair. Il y a du bonheur à venir. Hein. Si tout va bien, bien sûr. Malgré la distance de l'adolescent, pour Hervé comme pour Corinne, cette journée dans les arbres est une réussite. Non, ça s'est bien passé. On a passé un bon moment. Et là, on est vraiment ensemble, on est vraiment proches les uns des autres. Alors, Toby, comment... Mais les vacances ne font que commencer et les relations entre eux vont se révéler un peu plus compliquées que prévu. Oh, dis donc. En Auvergne, c'est une journée éprouvante qui s'annonce pour Bernadette et Claude Agu. Et ça commence en fanfare pour leurs 16 petits-enfants. Les enfants, au petit-déj! Ouais! 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 Bonjour, ouais! 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 Et on s'est levé à 6h du matin. Oh, cool. Et on n'est pas fatigué. Ouais. Eh ben, super. Allez. On est costaud comme des vaches. Encore plus. Tu calmes. Comme tous les matins, ils doivent assurer le petit déjeuner. C'est pas du dévouement, c'est que simplement les parents se lèvent pas. Alors. Donc quand on se lève tôt, bah, c'est. Vous voyez les parents là? Non? Tous au lit? Parce qu'à 10h, 10h30. Alexis, si tu m'énerves, tu te mets ici en face de moi. Parce qu'il y a des groupes. C'est là-bas, vous avez un groupe un peu difficile à surveiller. Là, c'est plus calme. Là, c'est un groupe qui ne pense qu'à tendre son biberon, donc là, c'est calme. C'est là-bas qu'il faut surveiller. Les trois terribles, Alexis, Jean et Nicolas, trois cousins de 8 et 9 ans. Ils ont toujours une longueur d'avance sur leur grand-mère pour faire des bêtises. Qu'est-ce que c'est, ça? Et qu'est-ce que tu fais là avec Alexane? Oui. Nicolas vient d'arroser sa cousine. Et dès que sa grand-mère tourne le dos, il recommence. Mais qu'est-ce que tu fais, Nicolas? Explique-moi, qu'est-ce que tu fais là? C'est complètement idiot. C'est pour faire des blagues. Oui, c'est pour faire des blagues. Vous vous êtes dit, on va faire quelques sottises. Allez, sortez de là. Mélo, ils adorent ça. Mais n'allume pas la fontaine, espèce de... Arrête! Pour eux, le jardin des grands-parents, c'est un vrai paradis. Et là, ça devient froid. Regardez, ça devient froid et là, ça devient... On fait des bonnes cabanes. Des bonnes cabanes. On attrape des beaux papillons. On se baigne presque c'est tout le monde. Et il y a un grand jardin. Ouais, c'est ça qui est bien. C'est vrai, c'est bon. Il y a tout le temps des cousins. Alors, c'est quoi la différence entre les amis et les cousins? Les amis, c'est ceux qu'on connaît, qui sont pas en vacances avec nous. Et les amis, les cousins, c'est ceux qui sont avec nous. On les voit moins souvent. Et on les voit plus souvent. Paul. Non, parce que les amis, ils partent. Ils sont à l'école. Ils peuvent partir. Tandis que les cousins, ils partent, mais on les verra quand même. Avoir l'œil sur 16 petits-enfants, mission impossible pour Bernadette. Hey ! Voire dangereuse. Sa maison prend peu à peu l'allure d'un chantier. Nicolas !
Nicolas et Antoine. Bonne autorité. Bon, là, vous, moi, je suis d'accord pour que vous fassiez une cabane. Hein? Mais c'est pas très... Pas très chouette. Oui, ben c'est pas toi, mais avec les autres, hein, tous les quatre garçons, vous allez me ranger un peu les planches qui traînent, vous regardez qu'il n'y ait pas de clous, de choses dangereuses. Vous faites un petit tas, ensuite vous ferez ce que vous voudrez. Mais je veux pas de bazar comme ça dans le jardin. D'accord? T'as compris? T'as entendu? T'as entendu, maman. D'accord. Ils jouent et ils écoutent pas forcément ce qu'on leur raconte. Hein, c'est... Pour Bernadette et Claude, pas une seconde de tranquillité, voilà. Du lever au coucher. Et toujours cette porte des toilettes ouverte. Finalement, quand les parents pointent le nez dehors, c'est pour profiter de la piscine. Et prendre la relève pour les bêtises. Tous en conviennent, pour bonne maman, ce n'est vraiment pas des vacances. C'est compliqué, c'est dur, c'est pesant. Et c'est d'autant plus pesant d'ailleurs quand plusieurs familles nombreuses se retrouvent et s'agrègent et forment à leur tour une famille très nombreuse. Et en tout cas, en famille nombreuse, on s'en aperçoit beaucoup plus facilement qu'ailleurs qu'il y a naturellement une répartition des tâches. Alors ça fait hurler bien souvent, mais pourtant c'est vrai. Et je pense qu'au fond de, soi-même, chacun le sait, il y a des activités pour lesquelles les femmes sont naturellement plus dotés et plus doués par la nature que nous. Le linge, le repassage, le ménage et la cuisine pour 30 personnes deux fois par jour, ici c'est le rôle des femmes dès le plus jeune âge. Sous l'autorité du chef, Bernadette. Dans cette famille, les tâches sont clairement réparties. Souvent les hommes s'occupent des garçons. Ah ouais. Souvent les hommes s'occupent des garçons. Surtout Hugues, ton mari, qui les emmène couper du bois, faire du feu. Voilà, il les dépense. Le but, c'est de les dépenser pour qu'ils soient fatigués physiquement. Et alors là, le soir, c'est plus facile. Sinon, ils sont vraiment intenables. Et l'épreuve physique du jour, c'est la corvée de bois. Tous les garçons sont réquisitionnés pour faire la chaîne. Et il faut faire la chaîne, Gaspard. Ça va, est-ce que la chaîne fonctionne? Non. Camille et Gaspard. Camille et Gaspard, il y a des légers pour vous, là. Tiens. S'il s'acquitte de cette bonne action sans rien casser, bon papa a promis une surprise dans le jardin. Pour que ça se passe bien, il faut leur dire, ce soir on fait ça, ou dans deux heures on fait ça, soyez sages, il faut qu'il y ait les carottes. Quoi. Moi je marche avec des carottes. Hein. La carotte et le bâton. Rentrer du bois pour l'hiver, ici ça fait partie des devoirs de vacances. Il faut qu'ils acceptent un peu l'idée que les vacances c'est pas fait uniquement pour... Pour glander, quoi. Que ça rompe un peu le rythme de l'année, c'est bien. Qu'ils aient un peu de plaisir, de loisir, de joie. Mais il faut aussi qu'ils gardent un tout petit peu le sens de l'effort et de l'effort de communauté. Puis ça les amuse, je crois. Enfin, j'ai la faiblesse de le croire. Pas deux à la fois, c'est trop lourd. Finalement, après une demi-heure d'effort collectif, mission accomplie. Méritez une grenadine. Et nous, une bière. Et surtout, place à la surprise. Un authentique spectacle de guignol. Claude a déniché ses marionnettes originales chez un antiquaire. Ils sont énervés ce soir, hein, oui. Faut que j'en sorte le crocodile, ils adorent le crocodile. Mais avant le crocodile, ça commence toujours par une imitation de la grand-mère. Bon, je vais faire un petit coup de bonne maman, ils adorent. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Dites bonjour les uns après les autres et vous dites votre nom. Bonjour, je m'appelle Jean. Bonjour, je m'appelle Crotte-de-Bic. Bonjour, je m'appelle Crotte-de-Bic. Je ne veux pas faire de spectacle si vous êtes comme ça, je m'en vais. Hein. Gardez-vous, je suis le gendarme. Alors, les petits-enfants, je vais vous dire quelque chose, écoutez-moi. Si j'entends un gros mot, s'il y en a un qui est pas sage, tout le monde va au lit, il n'y aura pas de guignol, d'accord? Oui. Alors, vous êtes sage? Oui. Bon, je vais chercher, je vais voir si j'ai des amis ici. Ah, bonjour. Alors, les petits amis, aujourd'hui, j'ai fait un petit gâteau, je le mets ici, et je vais aller chercher
une bouteille de jus de pomme. Vous surveillez le gâteau et si quelqu'un vient, vous m'appelez. D'accord ? Je reviens. Oh ! Ça sent bon ! Non ! Ça sent bon ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il est toujours là, mon gâteau! Il y a quelqu'un qui l'a sauté, il sentait très bon, il a dit. Ah, ça me fait plaisir, il l'a pas volé! Oui. C'est quelqu'un de très gentil, hein? Ouais. Vous le surveillez bien, hein? Je reviens. Ah, les amis, je suis le gros codile! Est-ce que vous croyez que je vais manger un guignol? Oui! Ah, alors, je vais me mettre là, je vais ouvrir la bouche sur le passage, et s'il passe, vous criez. Et je ferme la bouche, d'accord? Oui. Ça sent bon, ça sent bon. Eh, hey, va prendre le gâteau. Ça sent bon. Je peux y aller, les enfants, prendre oui, le gâteau? Oui, oui. C'est sûr, il n'y a personne, hein? Il n'y a personne. Il est derrière là, qui est là. J'y vais. Crocodile. Là. C'est que des dents, aïe, c'est aïe, que aïe. Des dents. Merci, les enfants. Merci, je vais manger guignol. C'est fini pour aujourd'hui. Mais demain, bon papa leur réserve une surprise encore plus extraordinaire. Est-ce que c'est fini ? À Pessac, près de Bordeaux, des occupations bien différentes pour les 13 enfants de la famille d'Alouche. Ce matin, la grande sœur occupe les plus petits avec des histoires de Toto en vidéo. Avez-vous déjà vu ? Ah oui, merci. Toto qui passe le casting de la nouvelle idole. 1, 2, 1, 2, 1000. Au clair du biscuit, mon âme la fête. Prête-moi ta crotte pour écrire en route. Mes effets sont morts. Je n'ai plus de caca. Ouvre-moi ta porte des water. Pour l'amour du caca. Pour l'amour de. Maintenant, oui. Encore. La suite des aventures de Toto, ce sera demain. Dans l'immédiat, il faut se préparer pour la première sortie des vacances. D'habitude, c'est Karine qui est de corvée. Patrice n'a pas vraiment l'habitude. C'est bon ? Non, t'es pas habillé ? Mais non, c'est un pyjama. C'est vrai, t'es habillé, mais on va s'habiller encore. Tu vas voir, on va mettre... Elle est habillée. C'est celle qui a voulu s'habiller en même temps que moi tout à l'heure. C'est un pyjama. La porte, c'est une blague. Préparer les 6 plus jeunes, ça prend une heure, tous les jours. Et aujourd'hui, c'est pire. Là, il y a un nœud, vas-y. Il y a un nœud, sinon c'est moi qui le fais. Victor fait toujours la tête, vexé de ne pas aller à l'aquarium. Oh ! Et son frère Arnaud a décidé d'enchaîner les bêtises. Tu donnes pas d'étranges jambons comme ça au chat, il y a des boîtes. On n'aurait pas eu ton enfant si on n'avait pas de patience. C'est comme ça. Des fois, ils n'ont pas envie, c'est comme nous. Hein. On fait en sorte, on s'arrange. Comme Victor, en ce moment, il boude un peu. Mais on vit avec. Jusqu'à qu'il revienne parmi nous. Finalement, 2 heures plus tard, tout le monde est prêt. Ah, tu l'as mis dans le coffre. Et comme toujours, le moindre déplacement est une véritable expédition. Ça y est, tout le monde est attaché ? Un minibus de 8 places pour les plus petits et les grandes sœurs dans la deuxième voiture. Ce matin, ce n'est pas encore les grandes sorties attendues au parc d'attractions ou à la dune du Pila. Pour eux, les vacances commencent au centre commercial. Objectif de la journée, acheter des maillots de bain aux 5 garçons en vue de la sortie au Pila. Mais pas n'importe lesquels. Karine doit trouver toutes les tailles dans la même couleur. Et on prend des couleurs qui flashent. Que je vous voie. Ouais, quand on les voit, ils étaient frères. Depuis leur naissance, même coupe de cheveux et même vêtements pour tout le monde. C'est la recette de cette maman poule pour repérer ses poussins dès qu'ils quittent le nid. C'est pour ne pas les perdre. Vu qu'ils n'écoutent pas grand-chose en ce moment, la preuve, c'est que déjà, ils s'éparpillent. Comme ça, je peux les voir. Regardez, on les voit d'un seul coup d'œil. Et le premier à s'échapper, c'est Arnaud, 4 ans. Où est Arnaud ? Où ? Paul, viens ici. Non ? Tu restes avec les autres. Nous attendons Arnaud qui est aux toilettes. Mais on a cru l'avoir perdu.
Une seconde d'inattention et il y en a toujours un qui disparaît dans les rayons. Arthur, il est où? Je sais pas. Où est Arthur? Arthur, il manque. Arthur était parti au rayon vélo et quand il revient, c'est un de ses frères qui s'enfuit. Il nous écoute plus. Viens, Chloé, avec ton petit chariot. Voilà. C'est pour ça qu'en jaune, je les vois. Je ferme la marche. Je passe mon temps, en fait, à surveiller les déplacements des uns et des autres, quoi. Ah, voilà, ils sont là, les maillots. Allez, venez. La couleur est importante, mais aussi le prix. Karine prend toujours le moins cher. Mais ça ne va pas être évident parce que je vois que tous les gens, cette année, ont fait la même chose que moi. On prie dans le premier prix. 5 shorts orange et c'est tout. Même si ça fait mal au cœur, impossible d'offrir aux enfants tous les jouets qu'ils voudraient. Heureusement, Karine est une spécialiste du système D. Au fond du magasin, elle a repéré un petit parcours de golf. Les enfants adorent et c'est gratuit. Ouais. Vous voyez, on peut trouver des sorties pas chères. C'est la première fois que je les vois faire. C'est même rigolo, mais bon. De toute manière, ils sont toujours en activité, alors à la fin, le soir, on est épuisé quand on les a suivis partout. C'est comme ça, hein, elle a voulu. On ne nous a pas forcé, il y a la pilule maintenant hein, qui existe, il y a tout ce qu'il faut. Alors si on ne les avait pas voulu, on ne les aurait pas fait, on ne les aurait pas eu, nos enfants. Allez, venez, on avance. 5 maillots de bain à 5 euros, ça fait 25 euros. Karine a aussi craqué pour quelques ballons. Total, 40 euros, presque un dixième de son budget. Il en a pris un, c'est bon. C'est bon. Et comme c'est le début des vacances, elle va même se permettre une petite folie. Pour faire plaisir aux enfants et pour éviter la cuisine et la vaisselle pour 13... Ici, là, les garçons. Karine a succombé à la tentation du fast-food. Voilà. Allez. Les enfants le réclamaient depuis 15 jours et en plus, il y a un cadeau pour chacun. Il y a 6 menus enfants et après je dois avoir 4 menus moyens et 2 menus de plus pour nous. Je pense 70 euros à peu près. Voilà, quoi, on se fait des petits plaisirs, mais bon. C'est vrai que le restaurant rapide, ça commence à. Ouais, ça devient de plus en plus cher. On n'a pas fini encore. Aujourd'hui, ils auront dépensé plus de 100 euros. Mais pour les grands, c'est aussi l'occasion de sortir un peu de la maison. Moi, je sais que j'ai besoin d'être au calme de temps en temps. C'est pour ça que je vais me ressourcer chez mon copain. De temps. C'est vrai. Il est tout seul, donc. C'est vrai que je sais pas, ça me fait du bien. Après, j'aime bien les retrouver parce que ça me manque. Mais c'est vrai que j'aime bien être tranquille aussi. Car de la tranquillité, il n'y en a jamais eu à la maison. Patrice et Karine ont enchaîné les enfants. C'est dans nos gènes, je pense. Quand ils se sont rencontrés, Karine avait juste 18 ans. Et sitôt mariée, première grossesse à 24 ans. Depuis, un bébé tous les 1 ou 2 ans. Et depuis toujours, l'uniforme et le minibus. Au total, la mère de famille nombreuse a passé plus de 20 ans de sa vie enceinte. Son seul regret, ne pas avoir eu de jumeaux et devoir s'arrêter à 13 enfants à 46 ans. Si j'avais été, ouais, peut-être que on aurait fait un 14e. Ouais, j'avais oui, dit. Même ouais. Au-delà de 14. Non, peut-être pas, parce qu'après il y a l'âge qui intervient, quoi. Ouais. Une fois, j'avais été voir une voyante, elle m'avait dit, oh, mais c'est pas possible, je vous vois 14 enfants. Et puis, j'avais ricané, j'avais dit, mais ça va pas. En fait, quand elle était pas très loin, ouais. Tu vois, elle était pas très loin. J'avais dit, c'est impossible. De nos jours, on peut plus avoir autant d'enfants. Puis en fait de compte, c'était vrai. Mais ça m'a pas du tout influencé, hein. Faut pas voir. Ce que n'avait pas prévu la voyante, c'est qu'un pot d'échappement capricieux allait remettre en cause la suite de leurs vacances. Retour en Vendée, au camping des Sables d'Olonne. Après une journée sportive à l'Acrobranche, réveil difficile pour la famille de Ch'ti. Oh là, tu es fatiguée, Margot? Pour toi, tu vas te lever, là? Oui. Tu vas prendre ton petit-déj? Allez, reine des Nitennes, là. Quoi? Vous habillez en 5 minutes. Oui. Alors, vous venez ou pas? Oui. Allô? Non. Bon. Première vacances, tous ensemble, pour cette famille recomposée. Autour du petit déjeuner, on s'apprivoise doucement. Comme ça, ça va, Tommy? Oui. Tommy, le fils d'Hervé. Il commence à se sentir bien avec sa belle-mère. Alors, c'est bon, Tommy? Oui. Ça va? Ça te convient? Oui. Pour moi, c'est la deuxième maman. Ah,
Oui, c'est gentil. Oh non, mais Tommy, il a sa maman. Hugues, Margot et Anaïs ont leur papa. Oh, je crois qu'un papa, une maman, on en a qu'un, on en a qu'une. Pas question d'aller trop vite. D'ailleurs, Corinne et Hervé ont longtemps caché leur relation. Ils viennent juste de l'avouer aux enfants. Quand on s'est connus avec Hervé, on était, je pense, très amoureux l'un comme l'autre. Mais on n'a pas voulu en parler tout de suite aux enfants. On voulait vraiment être sûr de nos sentiments. Mais il a fallu quand même un an et demi. On a vécu un an et demi sans en parler aux enfants. Moi, je le savais déjà un petit peu avant. Des fois, je faisais des cauchemars, j'allais dans le lit à maman. Et puis, je voyais Hervé. Moi, je le voyais quand même. Parce que tous les jours, on allait chez Corinne. Tous les jours, tous les soirs. Sans vouloir que c'est une surprise ou bien. Margot, 13 ans, avait aussi repéré l'étrange manège de sa mère. Bon, il y avait beaucoup de faire entre copines. C'est bizarre. Comment ce soir, entre copines? Tu nous envoies toujours chez mamie. Toujours. Dis donc, là, tu exagères quand même. Maintenant que c'est officiel, Hervé aimerait bien créer des liens avec Hugues, l'ado de Corinne. Toi, tu viens accrocher ton bouchon ici, celui que j'ai acheté là. Et après, t'as plus qu'à glisser ça là-dedans. Clac. Tu règles ton fond et tu changes de bouchon quand tu veux. Caoutchouc, je les mets... Ça, tu les mets en ton fil, en premier. Tu en mets deux. Ouais. On fait, je pense, des efforts communs. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Hugues? Bah oui. Et puis ça se passe bien. Moi, c'est mon ado, j'en avais pas d'ado avant. Enfin, j'ai mon grand de 11 ans, mais bon, c'est pas encore le même âge. Donc on essaye de créer des liens. Hein. Et puis on est motivés pour maintenant. Normalement, ben, on va faire carrière ensemble. Ah, Hugues? Sûrement. Bah oui. Hein. Je vais garder tes petits-enfants, tout ça. Tu vas me présenter ta première chérie. Attends, je fais comme ça, puis après, je fais un nœud. Tu fais une boucle et puis tu fais un nœud, ouais. Aujourd'hui, il tente l'expérience d'envoyer les enfants tout seuls pour une partie de pêche, en espérant qu'ils vont s'éclater tous ensemble. Mon amour, il est temps qu'on fasse régime, tu ne crois pas? Enfin seul. On doit se retourner, t'es prête? Allez, ma chérie. Pour Hervé et Corinne, c'est l'occasion de décompresser un peu. T'es prête? On se frotte dedans, fort. Prête? Attention, plus. C'est une prise. Prise du bisou. Leurs vacances au camping, ils sont bien décidés à en profiter à fond. J'en avais un, comme d'habitude. À la pêche, en revanche, ça ne se passe pas exactement comme les parents l'espéraient. Ouais, merci Tommy. Oh, c'est le tien? Bah, je sais pas ce que t'as fait. Les demi-frères se sont emmêlés. Il a tiré sur mon fil, je sais pas ce qu'il a foutu. En même temps, t'es malin, tu mets ton bouchon juste à côté du mien. Une perche arc-en-ciel. Oh, elle est trop belle. La réussite de Tommy agace son nouveau grand frère. C'est chiant, les petits enfants. T'as que ça mord ici. Ouais, bah fais gaffe cette fois-ci. Hein. Finalement, la partie de pêche se termine en queue de poisson. Une fois de plus, Hugues part s'isoler, plein de rancœur. Bon, y a des fois, c'est chiant, parce que par exemple, les deux enfants Hervé, ils sont un peu comme ça. Ils veulent pas trop prêter leurs affaires. Nous, par exemple, ils vont pas nous demander pour prendre un truc, et puis eux, voilà, ils ont pas été éduqués pareil. Ils vont finir par comprendre qu'il faut changer d'attitude, à mon avis. Pendant ce temps-là, Hervé continue à jouer les cupidons. Je mets bien ton œil sur la flèche. Et tu vises. Ce que je comprends pas, c'est où je mets mon œil par rapport à l'arc. Ben, je regarde par rapport à la cible, je suis en face. Hein. D'accord. Après un divorce difficile, Corinne pense aujourd'hui avoir trouvé son Apollon et lui sa Vénus, à quelques détails près. Bah, je l'aurais vu un peu plus petite, plus bronzée. Plus petite. Dans mes rêves fous, ouais. Tu n'avais pas les mêmes formes. Ah. Attends, je regarde bien. Non, tu n'avais pas les mêmes formes. Ah, physiquement, il avait quelques kilos en moins quand je l'ai rencontré, moi aussi d'ailleurs. Ah, physiquement, bah, d'abord son regard, ses yeux, son look. J'aime bien un peu cool. Les cheveux longs, pas rasés de près, j'aime bien. Hein. Ses fesses aussi.
J'arrête là. Ambiance beaucoup moins chaleureuse autour de l'étang. Muet comme une carpe, depuis une heure, Hugues attend toujours sa première touche, lorsque les adultes reviennent. Mais j'ai rien pêché, moi. Ouais. Tommy, j'ai rien pêché, moi. Si, t'as pêché le gros. C'est toi qui l'as eu. Bah non, il était sur ton hameçon. Hein. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Mais non, moi j'ai rien eu, il était sur ton hameçon, hein. Ah, je le sais quand même s'il était sur ton hameçon. C'est moi qui ai défait une noue. T'as vu que ça roule ? Mais moi j'ai rien eu, moi je sais pas ce que Tommy raconte. Bilan de la journée, un seul poisson pêché et une tentative de rapprochement qui tombe à l'eau. Retour en Auvergne, dans la maison de campagne de Claude et Bernadette Agut, où ils ont réuni leurs 6 enfants et 16 petits-enfants. Bonne maman au fourneau, et pour bon papa, comme tous les ans, le même rituel. Attention ! Le passage sous la toise. Alors, chacun son tour, tiens, toi. Voilà, d'abord les filles, d'abord. Alors, Lorraine, non. Tiens-toi à droite, bien tes pieds au bout. Comme ça. Voilà. C'est bon, vas-y, file. Ah, dis donc, Lorraine, tu as drôlement grandi, toi. Voilà, tu étais là, tu es venue là. Bravo, Lorraine. Allez, qui est-ce qui vient maintenant ? Moi. Moi, je ne peux pas passer. Toi, alors, tu passes. Toi, attends, chut, taisez-vous. C'est creux ? Ah, c'est creux. Ah, c'est creux dedans. C'est bon. Alexis, alors, tu as fait tout ça. Bravo. En une année. Et toi, ce qui est bien, c'est que mon papa, l'année dernière, il était là et cette année il est là. Non. Si, je baisse. Là, c'est comme ça. Par contre, je me muscle. Alors à toi maintenant. Les vacances, c'est toujours l'occasion de faire le point sur l'évolution de la très nombreuse descendance. Car la famille s'agrandit, à vue d'œil. Leur fille, Laurence, est enceinte du 7e. D'accord, Maxence ? Le fils aîné, Antoine, lui, est déjà père de 4 enfants. Les 2 derniers n'ont que 4 et 3 ans. Mais il insiste auprès de son épouse Stéphanie pour allonger la liste. Il y en aura peut-être d'autres. Mais pour l'instant, j'ai mon compte. D'occupation, de fatigue. Voilà. Et vous iriez jusqu'à combien ? 5 serait bien, mais si on attend trop, il faudra peut-être envisager une paire. Et moi, je vous en parle en permanence. À lui, ça serait oui. Bien d'en avoir d'autres. Voilà. Tous les jours, c'est alors le 5e. Mais c'est pas, je le fais pas de, je vais pas la forcer, donc c'est elle qui décidera. Allez, venez, hop. Une certitude, l'année prochaine, ils seront encore plus nombreux. Et la maison sera bientôt trop petite pour les vacances. Alors le grand-père a investi dans une demeure beaucoup plus spacieuse. C'est parti pour une visite avec toute la famille. Alors les gars, vous êtes pas contents d'aller à ton Noël ? Le château de Tournoël, un joyau du Moyen-Âge. Et là, il y a encore du boulot qu'on est là. Aïe, aïe. Claude l'a acheté il y a 8 ans. C'est quand même beau, hein ? C'est beau, les enfants, hein ? Ça vous plaît, hein ? Pour ses petits-enfants, Claude met toute son énergie et une bonne partie de son argent à restaurer le château. Attention, vite, père ! En attendant, c'est un terrain de jeu rêvé. Idéal pour un cours d'histoire. Ouais. Voilà, les enfants, qu'est-ce que c'est que des chauguettes ? C'est ça. Là, il y en a une. Là, il y a une chauguette. Là, c'est là. Une tour qui est sur le mur. Voilà, c'est bien. Là, on en voit deux. Voilà, c'est très bien, c'est bon, c'est bon. Bon, qu'est-ce qui fait une visite de Tournoël ? Moi, vas-y, moi. Vas-y, mets-toi là. Chut. C'est quoi comme château ? C'est un château pour quoi faire ? C'est un château pour se défendre des ennemis. Ah oui ? Et puis pour quoi faire aussi ? Ça sert à quoi, un château fort ? À deux choses. À se défendre. Oui. Et pour aussi mettre les... Pour surveiller. Ouais, on continue la visite et si la visite est bonne, tu auras une pièce. Alors là, nous sommes dans la première cour. Alors qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce que c'est derrière toi là ? Ça, c'est la tour carrée. C'est un donjon et carré, ouais. Quelle époque ? Après, les potes de Philippe... Réfléchis avant de parler. Quand tu parles de Louis XIII. Ah non, non. Mais non, attends. Là, mais non. La porte, là, c'est l'an... Du chat. Mais non, c'est l'an. L'année 1100. Ah, 1100. Ben, je ne savais pas. 12e siècle. Alors, on rentre dans la seconde cour. Oui, c'est bon. Oh, la mort. Mais attendez.
Venez les enfants. Des douves au donjon, le château fort de Bon Papa, ils adorent. Ah, dès qu'on arrive en Auvergne, il est impossible qu'on ne soit pas là dans les premières heures. On y vient tout le temps. Comme vous l'avez vu, en famille nombreuse, l'impératif numéro un, c'est d'occuper la marmaille. Alors ici, il y a de quoi faire. Là, c'est impossible de passer. Une superbe marmaille. Et ce papier. Maintenant, oh, ne partez pas tout seul sur le chemin de ronde. Je leur dis de revenir. Vue imprenable sur le plateau de Gergovie d'un côté, de l'autre, les monts d'Auvergne. C'est toujours aussi austère, majestueux. Un chemin de ronde, des donjons, des escaliers en colimaçon, un vrai labyrinthe, avec dans chaque pièce un trésor à découvrir. Ça s'appelle une... Une épée. Une flamberge. Ça s'appelle une flamberge parce que c'est une forme de flamme. Et c'est une épée qu'on tenait à deux mains. Pour couper les pieds des chevaux qu'on est attaqué. C'est-à-dire que là, ils ne se rendent pas bien compte que ça existait comme ça au Moyen-Âge, mais quand ils apprendront l'histoire de France, ça leur fera peut-être un déclic, ils auront peut-être moins de mal à retenir. Ce patrimoine, ils le rénovent avant tout pour loger ses petits-enfants. Ici, ce sera leur dortoir. Ils ne sont que 16 pour l'instant, mais Claude a déjà prévu pour 25. Là, on mettra des alignements de lits. On s'y installe l'été prochain, alors. Il n'y a pas le chauffage non plus, là. En fait, il y a l'électricité. Puis s'ils sont 25, ils n'auront pas froid. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Alors voilà ma chambre. Emménagement programmé l'année prochaine et pour Claude un secret espoir, que l'un de ses petits-fils lui succède un jour au château. Et peut-être qu'il y en a un qui le conservera. Moi, je fais tout ce que je peux pour arriver à le boucler, à le finir. Quand on commence une visite, je leur dis, soyez sages, il y en a peut-être un de vous qui habitera là. Des questions qu'ils ne se posent pas encore. Pour eux, le château de grand-père, c'est juste un jouet de vacances, plus vrai que nature. Qu'est-ce qui se passe avec ce gentil camion? À Bordeaux, ce dimanche, pas de visite de château pour les 13 enfants de Karine et Patrice Dallouche. Il fume? Ah oui, ça fume. Hein. T'as ouvert? Ça fume le gavé. La sortie au parc d'attractions est programmée demain et il y a un gros problème. Tu vas voir comment ça fume. Où ça fume? Non. Oh. Ah, c'est bon, arrête, j'ai vu. Voilà. C'est horrible. Et comment on va faire demain? Là, je pense qu'il va falloir louer une voiture. Ça va nous revenir encore cher, cette histoire. C'était pas prévu dans notre budget. Ça, c'était encore... pas prévu, non? Parce que là, on perd 9 places. Non, mais c'est pas ça, c'est que... Il avait été réparé, le parc d'attractions est aux environs d'Agen, à 150 km. Sans minibus, pas de sortie. Karine et Patrice ont donc quelques heures pour trouver une solution miracle. On va essayer de regarder sur Internet pour trouver un véhicule. Voilà. Il n'y a plus que ça à faire, louer une voiture. Pour l'instant, pas question d'alerter les enfants. Ça fait plus d'une semaine qu'ils patientent dans le jardin, entre la balançoire et la piscine. Pour eux, le parc d'attractions, c'est LA sortie de l'été. Une annulation, ce serait le drame. Surtout pour le plus petit, Arnaud, qui n'a pas le droit de sauter dans le grand bain avec ses frères. Heureusement, il adore poser pour l'album de famille. Marie, tu pourrais prendre une photo? Non, je ne prends pas. Arrête, Arnaud. Ses parents, eux, n'ont pas vraiment l'esprit à rire. Arrête. On va voir le prix des minibus, là-bas. Plus licence à mettre dedans. Plus le repas. Le repas, ça va nous faire encore... Ça va nous prendre tout le budget qu'on avait prévu pour les vacances, tu vas voir. Pour notre sortie. Ouais, pour notre sortie. Les grands monospaces, hop. Voilà. Ah ouais, 204 euros. Pour un monospace, ouais. 204 euros. C'est trop cher. C'est trop cher, 204 euros, c'est le budget de la sortie pour le parc d'attractions, pratiquement. Les parents au fond du gouffre. Dans le jardin, en revanche, ça plane pour eux. Eh les garçons, vous êtes contents d'être tous les quatre? Non, je préfère être fils unique. Ah ah, pourquoi? Moi aussi.
C'est vrai? Comme ça, j'aurai tout ce que je voudrais. La trappe! Tous à couvert! Pour les quatre garçons, tout est prétexte à rire. Y compris le TGV qui passe au fond du jardin. Moi, je préférerais tout seul. Parce qu'il m'énerve, ces imbéciles. Mais d'où lui, comme lui, il fait que faire comme moi. Que c'est compliqué. Oh là, c'est toi, je date des nuits. Là, c'est toi. J'ai trouvé les deux coupables. Salut. Fin d'après-midi, il est temps pour les enfants d'apprendre la panne. Et ce n'est pas tout. Il y a une deuxième mauvaise nouvelle. Ça serait bien de voir la météo. D'accord. Mouton. C'est pas possible. C'est quoi le matin, ça? Ou l'après-midi? Non, non, c'est 8 heures. 8 heures? Après, et on peut faire 14 heures, voilà. Oh non, ça se dégrade. Et les petits, un, on est en panne de voiture, de camion. Et deux, il pleut. Mais alors, il pleut. Regarde, viens voir, regarde. C'est vrai qu'on va être toute la journée sous la pluie. On a qu'à aller au royaume. Mais c'est pareil. Comme ça, on sera à l'abri. Bien, oui, mais qu'est-ce que je fais des billets, bien moi journée. Pour Victor, le passionné de requins, la pluie, c'est une bonne nouvelle. Mais il s'est réjoui un peu tôt. Victor, le problème, c'est la voiture. On n'a plus de bus, on n'a plus de camion. Alors en plus, s'il pleut, tout se greffe maintenant. On a le moral à zéro, quoi. Là, ça descend, là. Ça va être dur, parce qu'ils ne comprennent pas, quoi, tout ça. Mais bon, on va y aller, on va trouver une solution. Là. Une solution, il y en a toujours une quand on a une famille nombreuse. Le sauveur aujourd'hui, c'est William, l'aîné, en visite avec sa compagne et sa petite Clara, 14 mois. Après avoir fait 13 enfants, on est maintenant dans la catégorie des grands-parents. William propose d'emmener ses petits frères au parc d'attractions dans sa grande voiture. Ce gendarme de 23 ans est resté très proche de sa fratrie, même s'il ne veut pas forcément reproduire le schéma. Vous avez envie, tous les deux, d'avoir une famille, comment alors? Une petite famille, hein, ça ira. Parce que 13 enfants, quand même, c'est du boulot. Attends, j'ai fait une dernière. Ouais, deux ou trois, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu reviens souvent à la maison? Ouais, toutes les semaines, quasiment. Ouais. Tous les week-ends, dès que je peux revenir, je reviens. On est très liés, très soudés. Mais non, c'est un choix. Et puis, vous voulez la tranquillité un peu aussi. Tranquillité, et puis... On est dépendants surtout. Voilà. Il était très content de partir dans un sens. Il pouvait passer des nuits tranquilles. Il n'était pas réveillé par le cri des enfants. Donc ça a été. Aujourd'hui, il arrive à s'en passer un peu plus longtemps. Maintenant, c'est moi qui lui réclame souvent d'aller voir ses parents. C'est plutôt l'inverse maintenant. Et bientôt, ce sera la petite Clara qui voudra aller tantôt avec les tatis. Et oui. Elle pourra bientôt jouer avec sa tati sur le trampoline. Les deux filles n'ont que 7 mois d'écart. Alors, problème de voiture résolu, reste celui de la pluie. Arnaud. Comme d'habitude, réunion du conseil de famille, la question est mise au vote. Si de temps en temps il pleut un petit peu, c'est pas grave. Hein. Ça ouais. Gêne pas. Au contraire. Hein. Non, il y aura moins de monde, c'est sûr, mais... Pas, il fait hyper plutôt chaud. Voilà, on va voter. Alors, qui veut aller au parc d'attractions demain? Lundi. Ouais. Comme ça. Ils ont juste à espérer qu'un bon coup de vent balayera les nuages pendant la nuit. En Vendée, pas un nuage à l'horizon pour les campeurs ch'tis. Et même une belle éclaircie dans les relations familiales après un début de semaine agité. La première partie de pêche a été un échec. Pour Hervé ce matin, c'est une nouvelle tentative de rapprochement avec Hugues, l'ado de sa compagne Corinne. Je l'entends de plus haut si on tombe à la mer. Hein? Alors, monsieur Hugulus, vous êtes monté en quel hameçon aujourd'hui? 0,07, 0,01? 0,0001. Le plus gros, vous avez opté pour le plus gros? Ça. Puis on va mettre Tommy au bout. Ce matin, fini le menu frottin, on pêche au gros. Hugues, ça meurt? Malade, Tommy a jeté l'éponge. Hugues se retrouve donc en tête à tête avec son beau-père Hervé. On a le poignet fatigué, paraît-il, à la fin de la journée. Hein. Bien, Hugulus, c'est parti. Voilà, ça mord, là. Oh là, il y en a beaucoup, là. Voilà, c'est du gros, là. Ah, j'en ai pas. Dordine, mouline, dordine, mouline. Et ça dordine et ça mouline.
Alors, ça a l'air de donner là. Ouais, deux pour Hugues. Vas-y, envoie, je les enlève. Bouge plus. Pour Hugues, la pêche au maquereau se révèle miraculeuse. L'adolescent tient sa revanche. Ah, trois pour Hugues. L'ado commence à mordre aux efforts de son beau-père. Hervé, c'est plutôt un copain. C'est de l'amitié. Pas de l'amour, pas vraiment. Je lui dois le respect, voilà. Ouais. Pas trois. Bah, c'est tranquille, hein. C'est mieux que la truite. Hein. Résultat, une centaine de maquereaux remontés à bord. L'une des plus belles sorties en mer de leur vie. Et une complicité qui commence à s'installer entre Hervé et son beau-fils. Et il est souriant, c'est bien Hugues. Moi, je suis toujours souriant. La vie est belle, il faut en profiter. Oh. La pêche, c'était seulement pour le sport. Dans la famille, personne n'aime le poisson. On les balance pas. Alors de retour au camping, ils ont une idée. Chers amis, j'attire votre attention. Il y a des vacanciers qui sont partis à la pêche ce matin et ils ont ramené un très grand nombre de maquereaux. Alors en fait, ils ont décidé d'en faire profiter les campeurs. Ce sera gratuit, bien sûr, c'est un cadeau. Et ils vont offrir leur poisson. Voilà. Qui veut du maquereau ? Qui veut du poisson ? Poisson frais, mesdames et messieurs. Poisson frais gratuit. Là, j'ai un client, c'est gratuit. Hein. Éternel enthousiaste, l'ouvrier du bâtiment n'hésite pas à s'improviser vendeur à la criée. Madame, vous voulez un maquereau ? Allô, on va prendre aussi. Oui, vous en prenez aussi ? Ils sont tout frais. Hein. Et ça marche. Au bout de quelques minutes, embouteillage à l'entrée du camping. Poisson frais, monsieur. C'est gratuit, profitez-en. En à peine une demi-heure, le stock est écoulé. Allez, beau, hein. Merci. Faut pas les jeter, hein. Ce soir, c'est un menu particulier que va leur préparer Hugues. Un menu qui va permettre au héros de la pêche de devenir le héros de toute la famille. Toi, tu prépares à manger, les filles les vont dresser. Si tu as besoin d'un coup de main, elles te donnent un coup de main, tu leur demandes. Elle est à tout à l'heure, hein. Pour sceller l'esprit de famille naissant, Corinne et Hervé ont demandé aux enfants de préparer le dîner. Margot à la déco. Hugues au fourneau, ce sera frites et hamburger garni. Elles sont belles mes tomates. Bon, voilà qui est fait. Hervé, c'est E au bout. Je vais le mettre ET. Oh. C'est ET ER. Difficile de se concentrer avec les deux petites dans le salon. Hugues découvre les joies de la vie de famille nombreuse. Il y a plus d'agitation, il y a plus... Comment dire, c'est pas la même chose. C'est pas que c'est mieux ou pire. Ben ça donne un avant-goût, je dirais, de ce qui va se passer plus tard. Pour l'instant, tout se passe bien. Par les petites, parfois, on doit leur répéter plusieurs fois les choses. Je suis ému, là. Les oignons, ça me fait un effet. Je ne m'attendais pas mieux, hein, viens les enfants. Des pichets, tout ça. C'est grand Luc. Ouais, super. Tu changes les places ? Oui. D'accord, ah oui, comme ça c'est vous. Hugues est en chef de table, ok. Est-ce que c'est lui qui s'occupe de tout ? T'as besoin de quoi, Hugues ? T'as besoin d'aide ? Qu'on me foute la paix. Ah bon, d'accord, genre, je te fous la paix, je te laisse faire. Anaïs ! Ça fait plaisir, hein. C'est de la bonne sueur, ça, c'est bien. Bon, ben, la soirée Gulus se présente bien, hein. Ah oui, mais bien. Mais on n'en doutait pas, hein. Oui. Allez, santé, on n'a même santé. Pas trinqué. Allez, Chin. Moi, ça va tomber. Anaïs. Charlotte. Allez, à Hugues, aux vacances, hein. Et puis à Hugues, hein. Il y a une participation des enfants. Ça, j'y tenais. Même s'il y a des petits trucs qui sont pas faits comme il faut, ben... C'est ensemble, et c'est très bien. Par contre, si tu pouvais passer le... Et là, je suis fier de Hugues, moi, parce qu'il s'en sort très bien. Il ne demande pas de coup de main. Hugues, tu m'as mis une tomate. Non, tu m'as pas demandé de tomate, Alex. J'en veux une, tu la prends. Non, j'en veux pas. Ah ben, alors, pourquoi tu me demandes si je t'ai mis une tomate si t'en veux pas ? Hugues, tu calmes. Ouais, les chefs, hein, ouais. Un chef dont les talents culinaires vont provoquer un véritable événement.
aussitôt immortalisé par la caméra d'Hervé. Mesdames et messieurs, voici le premier hamburger de Charlotte. Regardez-moi ça. Un steak, du ketchup, du pain. On va confirmer, c'est bien Charlotte. Oui, c'est bien elle. Depuis son divorce, il y a 3 ans, sa fille Charlotte a des problèmes d'alimentation. Ce soir, pour la première fois, elle retrouve l'appétit. Ça c'est bien de féliciter. Là c'est la première fois qu'elle croque dans un hamburger pain. En général elle mange que la viande. Et elle mange que la viande. Mm-hmm. Pourtant elle aime bien pour le fun d'avoir le pain, mais le pain elle l'enlève, elle mange que le steak. Ouais, elle mange que le steak. Ah oui Charlotte, très difficile. Elle a juste un, je dirais, un petit panel de nourriture qu'elle mange et on s'en contente. Nous on a été voir les médecins au tout début. Mais c'est ta faute. Non, non. Oui, non mais... Chez sa maman aussi, elle en chez mange. Chez sa maman, elle mange quasiment tout. Bah, maman, elle lance un peu le ton, elle mange un petit peu de voilà, trucs donc et des trucs. Tu devrais faire la même chose que ça. Mais je le fais. Mais je le fais. Pas assez. Autour de la table, une vraie discussion de famille. Une première. Même Hugues se sent concerné. À lui d'ailleurs tous les honneurs. Pour le hamburger Charlotte. Ah oui. Hugues, ah non, très bien. Et je suis conscient que c'est par rapport à cette soirée. Moi, j'en suis certain. Donc, elle a fait comme les autres. Très bien. Tu vois que ça a fait ça du bon. Donc là, Gulus, chapeau bas. Donc maintenant, t'es de corvée de hamburger 2 ou 3 fois par mois. Bien. Bien, Gulus. Pour fêter ça, direction le bar du camping. C'est la grande fête de l'été. Le bal du 15 août. Regardez qui c'est qui arrive. Ce soir, on ne parle plus divorce ou famille recomposée. C'est une famille unie qui emboîte le pas de la chenille. Allez, tout le monde sur la piste, on fait la fête. Même Hugues, l'adolescent généralement renfermé, se lâche enfin. Pari réussi pour Hervé et Corinne. Qui ça? Ils vont savourer leur bonheur jusqu'au bout de la nuit. Et Hugues sera le dernier couché. Ah, il y a du soleil, hein. Allez, tout le monde sur la piste, on fait la fête! À Bordeaux, pas de soleil et un minibus toujours en panne. Malgré tout, pas question d'annuler la sortie au parc d'attractions. Allez les loulous, on s'habille. Allez, on se lève là. Allez hop. Vous êtes prêts à moitié. Il manque le t-shirt de la même couleur. Tiens. Allez, on se lève. Dépêchez-vous parce que sinon on va être en retard à l'ouverture. Tout le monde a déjeuné ? Voilà. Allez, on y va. C'est le grand jour. La première sortie. L'une des deux seules de l'été pour les 13 enfants de la famille Dallouche. Cadeau du ciel, une éclaircie au moment de partir. Entre le grand frère William, les copains des grandes sœurs et quelques cousins, au total, ils ont réuni 5 voitures. Une véritable expédition. Là, regarde, là, ça va, là. Bougez pas, regarde, ça s'attache. C'est assez inhabituel. C'est même, ouais, c'est même jamais arrivé de partir sans le minibus. Tant de choses, voilà. Alors, ça y est, on a réussi à caser tout le monde dans les voitures. Quel espoir. Ça y est. Je ne montrerai pas tant que les portes ne seront pas fermées. Que je... Et attachez-vous. Allez, hein. On est parti. Première mission accomplie pour Patrice et Karine. Car ils ont bien cru ne jamais partir. Et à 150 km d'ici, enfin, le parc d'attractions. Ils ne sont qu'à 2 heures de route de la maison, mais le dépaysement est total pour Chloé, 21 mois, et ses 5 jeunes frères. C'est parti, au pas de course, pour la journée qu'ils attendaient depuis le début de l'été. Aujourd'hui, les petits comme les grands sont bien décidés à se défouler et à rentabiliser leur entrée. Et question frisson, ils vont en avoir pour leur argent.
Pour le cueillir. Et la chouette. Ça me fait du bien, hein, de décompresser. Parce que là, on appelle ça décompresser. On n'est plus à l'univers de la maison, quoi. Même avec la piscine et tout, là, on est sortis à l'extérieur. Même eux, quoi. Ce soir, ils vont être fatigués, ils vont être contents. Là, ils sont un peu libres, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils jouent. Et puis moi, je décompresse. Si je suis malade. Et pour décompresser, Karine se révèle beaucoup plus aventurière que son mari Patrice. Toute la famille dans le même bateau, sauf lui. Pat, il n'aime pas. Il est monté une fois, je l'ai obligé pour monter les petits, il a été malade toute l'après-midi. C'est pour ça qu'on ne veut plus. Le quotidien de Karine, c'est le ménage, les lessives et faire à manger pour toute sa tribu. Alors aujourd'hui, pour elle aussi, c'est l'occasion de souffler. Pas bien alors. La cascade là. Tu le tiens, Marie? Tu le tiens, oui? Karine et Patrice ne roulent pas sur l'or. Mais pour eux, élever une famille nombreuse, ce n'est jamais la galère. Bien au contraire. C'est une forme de réussite aussi, d'avoir fait une grande famille, d'avoir réussi à faire quelque chose sur ce plan-là. C'est gratifiant parce qu'on les voit grandir. C'est toujours une satisfaction pour nous. Ça nous tient éveillés par rapport au temps qui file, quoi. Des parents qui s'amusent comme des gamins et des gamins qui savourent à fond leur excursion. C'est une grande bagarre, tu vois. Pour offrir tout ça à leurs enfants, Patrice et Karine ont dû économiser chaque centime et faire des sacrifices. Aujourd'hui, les cris, les sourires, c'est pour eux la plus belle des récompenses. On se dit qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Même s'il y a des difficultés au quotidien, moi ça me va, ça. J'aime bien les voir comme ça, quoi. Voilà, c'est si simple, hein. Y a rien à rajouter à ça, quoi. Un dernier tour de manège jusqu'à la dernière seconde. Prochaine excursion, la dune du Pilat, s'il n'y a pas d'imprévu. Ça y est, tout le monde est content? C'est bon? Moi, je suis content. Bon, c'est bon. En Auvergne, pas de sortie au parc d'attractions, mais un pique-nique programmé au déjeuner pour toute la famille de Bernadette et Claude Agut. Avant cela, comme tous les matins, la grand-mère est de corvée. Alors tu prends la couture, le pli du milieu et tu le mets au milieu du lit. Ah, et tu tires bien. Une vingaine de lits à faire, plus d'une heure tous les jours, malgré l'aide d'Alexane, sa petite fille de 7 ans. Alexane est une bonne petite ménagère, elle aime bien passer l'aspirateur, faire la cuisine, des tas de choses comme ça. 6 enfants, leur conjoint et 16 petits-enfants en permanence à la maison. À 63 ans, c'est tout sauf des vacances. Après 15 jours de remue-ménage, la maîtresse de maison est lessivée. Je peux pas dire que j'en profite, hein, parce que c'est... Moi, je suis très contente qu'il soit là, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Ça va trop vite, quoi. On vieillit, donc on se fatigue quand même beaucoup plus. Je tiens pas le choc très très longtemps, quoi. Donc avant, j'étais toute triste qu'il soit pas là en permanence. Et puis maintenant, je suis ravie quand ils reviennent, mais quand ils repartent, je souffle. Donc c'est très bien. Voilà. Dernier jour de vacances, le pique-nique, c'est le bouquet final pour le grand-père. Bien, bien. Restez pas dans le passage. Attention. Et ça commence mal. Alors ça, c'est incroyable, hein. Comme tous les ans, direction la campagne auvergnate sur les terres du château de Tournoël. Les grands-parents en 4x4 et les jeunes à pied. Avec comme d'habitude, la bonne action du jour. Charlotte, tous les enfants prennent du bois ici. Aujourd'hui, leur déjeuner sur l'herbe va prendre des allures de safari, car les terres du château ont été envahies par de drôles d'occupants. Oui, il y a les chevaux. Avec eux, impossible de négocier. Et surtout, pas question de les chasser.
pense à l'imprévu, il y avait... C'est les voisins à qui je prête le champ, ils ont mis leurs chevaux sans me le dire. Et... Mais c'est pas grave, on va aller dans le champ au-dessus, on aura une plus jolie vue, quoi. Ça sentira moins. Mais au-dessus, ce n'est toujours pas praticable. C'est les aléas de la nature, ça. Mauvais point pour le géo. Le champ n'a pas été tondu. Les chevaux sont encore là. Donc il faut un troisième champ. Mais on va y arriver. Et normalement, le troisième, il a une belle vue sur le Puy-de-Dôme. Donc ça fera un bon point pour le géo à la fin. Allez, c'est dur. Finalement, une demi-heure d'effort supplémentaire pour tout le monde, avec à l'arrivée ce panorama exceptionnel. Camille, ceci sous merguez. Ce pique-nique, un grand bol d'air pour les enfants. Pour la grand-mère, un repas de moins à assurer. Et pour bon papa, l'occasion de donner goût à la tradition aux générations suivantes. Charlotte, ça te rappelle des souvenirs. Si tu passes à côté de Randol, tu t'en souviens? Tous les dimanches, quand on était petits, on allait à la chasse et à midi, on pique-niquait sous l'arbre. On faisait exactement la même chose. Ah oui. Ça nous rappelle les nôtres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime bien ça, parce que comme on aimait bien nos vacances, on aime bien continuer à faire la même chose et on espère que nos enfants aiment la même chose que nous. Moi, je me dis, les petits, là, quand ils seront grands patrons aux États-Unis, ils reviendront passer un week-end, ils se mettront là et diront à leurs enfants, voilà où on pique-niquait quand on était tout petit. Tu crois pas que tu le feras plus tard, ça? Si. Ben voilà, ça serait pas mal, ça. Ça fait une chaîne, quoi. Pour ajouter des maillons à la chaîne, Claude peut compter sur ses gendres, en particulier sur Hugues, qui a trouvé sa vocation depuis les scouts. Ce qu'on apprend aux scouts, c'est à dormir mal, dehors, et à faire du feu. Puis à vivre en groupe. Et là, il y a un glissement après très naturel vers la famille nombreuse. Parce que c'est la communauté. Avoir de nombreux enfants, c'est-à-dire au-delà de 3 ou 4, c'est forcément une affaire de conviction. Forcément. Chacun le comprend très bien. Et c'est même au-delà une affaire de foi, tout simplement. Ça dépend de là-haut. Attention ! Si Dieu veut, ils seront encore plus nombreux sur la photo l'année prochaine. Bon papa et bonne maman ont donc un an pour reprendre des forces. Fin de vacances aussi sur la côte vendéenne. Dernière journée au Sable d'Olonne pour les campeurs ch'tis. Ils ont décidé de finir sur les chapeaux de roue. Cet après-midi, activité karting pour Hugues et une partie de la famille recomposée. Ça va, mon amour? J'ai un truc super puissant, là. Ouais, bah fais gaffe quand même. J'espère que les gendarmes ne vont pas me regarder aujourd'hui parce que je vais dépasser les limites, là. Je vais essayer de coller Hugues aux fesses. J'espère qu'il ne va pas me larguer. L'adolescent a du mal à trouver sa place dans sa nouvelle famille. En revanche, sur la piste, le numéro 31 a parfaitement ses marques. Tout comme sa sœur Margot. Hugues est un passionné de rock et de vitesse. Tout l'inverse de sa mère. Hugues a fait toute la course en tête. Mais c'est finalement Hervé, son beau-père, chemise bleue, qui va lui souffler la première place sur la ligne d'arrivée. Après 15 jours de vacances ensemble, plus aucune rivalité entre eux. Des super sensations. Ouh. J'ai pas su l'oublier. Attends, faut que je me sors. Dernier virage, comment t'as frôlé les pneus? Ah ouais, ouais, bah j'étais deux fois un peu hors. On en refait un? On en refait un? Alors, c'est trop génial. Trop bien. Mais bon, ouais, parce que, on a un peu les pétoches quand même, hein, sérieux. Moi, c'est la honte. Hein. Pourquoi? Moi, j'ai fait 2-3 têtes à queue là. C'était fun. On en refait un? Du fun, enfin, après 15 jours de méfiance. C'est une victoire au finish pour Hervé. Le chef de famille recomposé est confiant en l'avenir. Et dans 2 ans, tu pourras faire ça. Pour lui, ouais. Le grand test de l'été est un succès.
Pour moi, vacances réussies, impeccable. Je savais que ça allait bien se passer, moi. On peut toujours dire, on aurait dû faire ci, faire ça, mieux ça, ou mais bon, impeccable. Et puis, ben, le quotidien, il va revenir vite au galop, c'est vrai. Allez, action! On repart au chalet. Merci, Hugues. De rien. Dans le chalet, on boucle les dernières valises, avec un gros pincement au cœur pour Corinne. C'est un peu les boules, quand même, puisqu'on a passé deux superbes semaines. C'est une bonne... J'irais première expérience. Bon, c'est sûr que la période, je dirais, de vacances n'a rien à voir avec la période quotidienne, boulot, train-train habituel, etc. Mais c'est quand même quelque part une bonne expérience. Et puis, si ça s'est bien passé en vacances, ça devrait bien se passer tout le temps. Dans quelques jours, les parents doivent décider s'ils s'installent tous ensemble. Pour Anaïs, la fille de Corinne, et Charlotte, la fille d'Hervé, qui allait déjà dans la même école, ça ne fait aucun doute. C'est bien, mais à peu près de la même âge. Déjà, à l'école, avant, je la considérais comme une sœur. Donc à l'école, je pourrais dire que c'est ma sœur, quoi. Comme si c'était ma sœur. Tommy aussi est convaincu. Maintenant, on est ensemble. C'est mieux, je trouve, déjà. Parce qu'avant, s'ennuyant, on jouait toujours les mêmes jeux. Et là, avec Anaïs, on a plus d'activités. On a des beaux souvenirs. Ça fait comme on change de vie, on fait une nouvelle vie. Hugues, lui, n'a pas d'avis pour l'instant. Quatre heures et demie du matin. On va dans la voiture, viens. Il est temps de quitter les Sables d'Olonne, direction le nord. Hervé a voulu partir à la fraîche pour éviter les bouchons. Après 9 heures de route, chacun rentrera chez soi. Hugues, Margot et Anaïs avec leur mère. Tommy et Charlotte, avec leur père. Et dans quelques jours, ils en sauront plus sur leur avenir commun. Oubliez serviette. À Pessac, près de Bordeaux, bonne nouvelle pour la famille Dalouche. Le minibus est enfin réparé. C'est parti pour la deuxième et dernière sortie de l'été. Une journée à la dune du Pilat. Donc là, c'est bon? Ça y est, tout le monde est attaché? On s'attache et on s'empoisonne. Allez, assis. Karine, la maman, n'est pas d'humeur. Elle n'avait que 500 euros de budget pour toutes les vacances et elle craint de le dépasser aujourd'hui. Après plusieurs semaines de chahut à la maison, il suffit d'un rien pour la faire sortir de ses gonds. Assis comme il faut. Arnaud, tu te mets dans l'autre sens et tu t'assois. Arnaud, quoi? Tu te mets comme il faut, sinon je passe derrière. Je suis souple encore et je peux passer. Aïe. Allez, voilà, et maintenant on ne bouge plus. C'est pas pour que toi. Moi je suis presque 3 euros. Arnaud, t'es debout. À l'arrière, les petits sont surexcités et se disputent pour quelques bonbons et 3 pièces de monnaie. Je passe, j'arrive. Pousse, je passe. Donne-lui sa pièce. Ou les pièces. Donne-lui sa pièce. Paul lâchera pas le morceau. Mais il m'avait plus. Non. Oui, il faut être patient. Théo lâchera pas non plus. Passe devant, je passe derrière. Allez, change de place. Moi, je suis devant, pas ça suffit. C'était 10 centimes qu'il avait. Tu vas pas pleurnicher pour 10 centimes. Je serai derrière. La boîte à gifles est ouverte, je vous préviens. Non. Tu t'assois, Ça dépend. Tu l'as pris. Ils n'ont que 60 km à parcourir. Alors attention. Et pourtant, le voyage tourne à la galère. Ah. Comment ils sont mal mis, ces sièges. Pendant qu'ils réglaient la dispute des petits, dans l'autre voiture, catastrophe. La grande sœur Marie s'est fait arrêter par la gendarmerie. Son père Patrice vient aux nouvelles et tente de négocier. Les papiers? L'adresse sur la carte grise n'a pas été modifiée après le déménagement. C'est une infraction. Ah, l'adresse sur la carte grise. Ah bon, et c'est une contravention de... Une contravention de 90 euros, on ne perdra pas de points. Mais c'est sur le fait que... 90 euros en paiement immédiat, c'est moins, non peut-être c'est... Non, c'est 90 euros. Dans les 3 jours. Dans les 3 jours. Voilà, après, pour simplement un changement d'adresse. Changement d'adresse, c'est...
elle a un délai d'un mois quand elle change d'adresse. On peut pas demander un peu de mensuétude pour une famille nombreuse, une famille de 13 enfants. Un peu de mensuétude. Faites un courrier au préfet. Non, mais là, je veux dire, là. Parce que bon, c'est quand même pas une infraction au code de la route, c'est un oubli. Je sais, mais c'est là, un oubli. Non, on peut pas la passer. C'est un petit oubli, quoi, on dira. Ça fait 2-3 mois, 4 mois, bon, ça passe, mais là, un an. Pour eux qui sont à 1 euro près, 90 euros d'amende, ça tombe plutôt mal. Allez, Millie, on repart. Allez, Marie, c'est pas grave. C'est administratif, t'as pas fait. Tu sembles pas coupable. Allez, on continue alors. Cette journée commence décidément très mal et aucune amélioration en vue. Après 3 heures de route, pour seulement 60 km, l'arrivée au Pila est plutôt maussade. Allez, mets ton t-shirt. Non, ça me sert. Tu le mets quand même. Non. Dans le ciel, des nuages menaçants et un mauvais pressentiment pour Karine. Je vais en perdre la moitié, je sens, aujourd'hui. D'habitude, il n'y a pas tant de monde au Pila. Là, il y en a beaucoup, hein, dans les allées et tout. Hein. Allez, les poussins. Pour le papa poule et sa tribu colorée, c'est parti pour une heure d'ascension. En ordre dispersé. Ils ont décidé d'aller jusqu'en haut. Une sacrée pente et un sacré défi pour les plus petits. Ouais. Allez, on y va. Viens me rattraper les garçons. Tu vois, quand on est en surpoids, ça la fait. Non, faut pas dire surpoids. Je ne suis pas du tout en surpoids. Dis en surpoids. Ça serait belle. Oh, ça y est, vite, ça va être trop droit. Ouais. Vite, courez. On y est. Une heure plus tard, toujours pas de sommet en vue. Plus j'en ai pas, plus j'ai du mal à la monter, cette dune. Mais pourquoi je fais pas ça, là ? Pour atteindre le sommet du plus grand tas de sable d'Europe, pas question d'économiser la sueur. Pour le reste, ils n'ont eu qu'un plein d'essence et deux entrées au parking de la dune à payer. À peine une centaine d'euros, sans compter l'amende. Pourtant, pour les enfants, c'est une belle aventure. À leur âge, on dirait presque le Sahara. En fait, là-bas, il y a l'Afrique. Et ici, c'est le désert. Ouais. Bien que là, il est peuplé, le désert, aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde. Mais non, mais ça fait un peu sauvage, ça fait... Puis bon, là, ils sont libres, ils ont une grande étendue, où ils peuvent courir, sauter, crier. Personne ne viendra leur dire quoi que ce soit, quoi. C'est pour ça qu'ils peuvent se détendre. On arrive encore, oui, à trouver des sorties qui ne reviennent pas trop chères. Mais elles commencent à se compter sur les doigts d'une main, quoi. Cette année, avec peu d'argent et beaucoup d'imagination, Patrice et Karine ont réussi leur pari, faire plaisir à leurs 13 enfants sans exploser le budget. Et même si Karine a dépassé de 100 euros la limite qu'elle s'était fixée au début de l'été, pour elle, peu importe, ses vacances sont parfaitement réussies. Ça fait plaisir. Je vais les voir contents, heureux. Attendez, des enfants heureux qui jouent, qu'est-ce demande le peuple, comme on dit. Mais moi, tu dois la réparer. Là, il commence à pleuvoir. Chacun pour soi. Mettez les planches. Non, c'est moi qui les ai, les planches, j'ai récupéré. Les planches. Les planches. Comme prévu, cette sortie tant attendue, l'un des rares moments d'évasion de l'été, se termine sous la pluie. Mais toujours pas de quoi miner le moral de Karine et Patrice. Comme on dit dans le Bordelais, les événements heureux sont toujours bien arrosés. Courant décembre, à quelques kilomètres de Lille. Pour Hervé et Corinne, tout s'est bousculé depuis la rentrée. Ils ont décidé de s'installer ensemble. Ils ont même déjà acheté cette maison. Une grande bâtisse en briques de 200 mètres carrés. Hervé, l'ouvrier du bâtiment, a déjà commencé à la retaper. Bah ici, ça va être la cuisine. Là, c'est ma chambre, là-bas, c'est ta chambre. Ce matin, visite de chantier avec la famille au grand complet. Pour l'instant, il faut encore beaucoup d'imagination. Là, on a la cuisine qui va venir jusque-là. Là, tu te mets comme ça, toi. Voilà, encore un peu par ici. Encore, voilà, on bouge plus, là, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, c'est la chaufferie, l'abri, là. Alors là, c'est le coin réservé aux parents. Donc là, on est dans ma baignoire. Et celle de madame, normalement. Là, je suis relaxé dans la seule baignoire de la famille. Où je suis le seul à pouvoir me baigner.
Et là, je recrée une mezzanine, on regarde tout le volume de hauteur. Là, je recrée une mezzanine avec le lit. Nuptial, où on fait des galipettes et des... et on parle des mouflés. Un nid d'amour pour les parents et 5 grandes chambres. Pour la première fois, chacun aura la sienne. Oh, je suis contente, hein, parce que là, j'aurai une chambre pour moi toute seule, donc je suis contente. Là, c'est ma chambre. Pour les plans, Hervé a pu compter sur Anaïs et Charlotte. Ça, c'est mon lit. Ouais. Ça, c'est mon bureau. Ça, c'est mes armoires. Ça, c'est mon bar. Ça, c'est mon choix. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon tapis. Ça, c'est ma chambre. Voilà notre objectif. Ce qui nous remonte le moral. C'est vrai que ce plan d'archi, là, est stimulant. La future maison. Je l'ai déjà vu là. Ben, c'est la vie de famille qui démarre à 7. Là, ça va être vraiment chez nous. Ouais. Ça va être très bien. Je me projette dans une vie de famille positive. Moi, je pars dans positif. Moi, je vois le sourire, je me vois déjà dans le canapé. Je me vois en train de faire à manger, déjeuner, crier sur les enfants, aller faire aux chambres. Nanana. La vie de famille, quoi. Chez nous. Et dans cette nouvelle vie de famille, ils ont réservé une place de choix à Hugues. Sous les combles, tout un étage pour lui. L'adolescent y sera un peu à l'écart. Là, je vais te faire un bureau, ici, entre ces deux panneaux, tu vois. Je vais te faire un bureau comme ça, là. Et là, t'as un canapé. Les autres membres de la famille, on veut dire qu'ils sont petits, donc j'ai pas forcément envie de jouer avec eux. Ouais, voilà. Donc tu es un peu content de pouvoir t'isoler, alors? Ouais, voilà. Et puis comme ça, je pourrais faire un peu ce que je veux. Avant de construire un avenir ensemble, ils devront encore patienter. La fin des travaux et l'emménagement ne sont pas prévus avant 6 mois.